Ce qui combat le christianisme ou les membres de Daesh, souvent, ce sont des personnes qui sont nées ici en Occident, et ils sont nés en Amérique, ils sont nés en Tchétchénie, ils sont nés un peu partout. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un produit inventé par l'Occident. C'est les mêmes djihadistes qui ont combattu Kadhafi. Il n'y a pas longtemps, en 2010-2011, on prétendait que c'était la révolution du monde musulman. Qui a fait cette révolution? C'était les mêmes personnes djihadistes. Ils ont changé le régime dans certains pays. Et puis de là, ils voulaient faire aussi la même chose en Syrie. Mais il y a une différence entre les djihadistes qui sont partis en Syrie et aussi ceux de l'Irak. Au départ, les djihadistes, quand ils sont allés au nord de l'Irak, les sunnites, ils les ont accueillis à bras ouverts. Mais ce n'est que très peu de temps après, ils ont compris que ces djihadistes Détruit leur style de vie. ont détruit leur style, leur mode de vie et leur style de vie. Et ils sont là plutôt pour prendre le pouvoir et imposer une mode de vie qui n'est pas les leurs. Le djihadiste d'aujourd'hui qui impose le sharia, qui impose une mode de vie stricte, il ne maîtrise pas sa religion, il ne maîtrise pas l'islam, mais il a une arrière-pensée politique. Il est assoiffé de sang et de pouvoir. D'où la souffrance des Assyriens en Syrie, en Irak. Ça ne vient pas des Syriens même, ça ne vient pas des Irakiens même, mais ça vient des djihadistes. En fait, c'est une menace pour l'islam wahhabite. Une grande partie des musulmans s'y s'adaptent ou comprennent facilement ce qui est l'islam comme message de paix, mais pas le mode de vie des wahhabites, des saoudiens. Le problème, c'est là. Alors, si on arrive à mettre fin ou faire comprendre aux musulmans qu'ils ne doivent pas dépendre de l'Arabie saoudite et que Dieu n'a pas besoin de représentants à son nom sur cette terre et surtout pour la religion islamique, à ce moment-là, le musulman, il peut dire, oui, je peux parler de la paix et ça peut être une religion de paix. Et il va se rendre compte que c'est une fraction du christianisme oriental. Et le christianisme oriental et occidental, la différence est minime, c'est vraiment minime, c'est très peu. Avec tous mes respects pour les journalistes et les personnes, les 18 personnes qui ont été assassinées, mais quand on prend les chrétiens du nord de l'Irak, 200 000 chrétiens et plus de 500 000 yézidis, ils ont été obligés, forcés de quitter leur maison sans rien, et plus de 5 000 jeunes filles vendues dans les marchés publics. Il n'y a personne qui s'est manifesté comme ils ont fait pour maintenant. Là, je reproche un peu aux politiciens plutôt. Ils devaient faire aussi appel à ces manifestations-là pour prouver qu'ils étaient sincères dans leur solidarité aux chrétiens d'Orient. En 1984, à Lahore, au Pakistan, il y a eu la réunion des États islamiques du monde. Et l'État turc était représenté par deux généraux de l'armée turque à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils avaient pris comme décision à Lahore en 1984? Ils avaient pris la décision que d'ici l'an 2000, de 1980 à l'an 2000, ils devaient supprimer tous les chrétiens de tous les pays du Moyen et du Proche-Orient, y compris l'État d'Israël. Et là, je peux dire qu'ils sont arrivés. Aujourd'hui, quand on regarde la situation, ils sont arrivés, ils ont réussi. Et à l'époque, quand on regardait la presse occidentale, malheureusement, ils n'ont pas traité tous ces problèmes, ils n'ont pas pris au sérieux la menace qui venait déjà à l'époque, en 1984, de Lahore, ils n'ont pas pris au sérieux la menace islamique qui régnait en Turquie.
ils n'ont pas pris en considération de tous les mouvements qu'il y avait ici. Et bien voilà, la situation actuelle, c'est chaotique. Voilà, on vit ce qu'on vit, on voit ce qu'on voit aujourd'hui, l'assassinat des journalistes. Demain, qui peut m'assurer qu'en sortant d'ici, je ne serai pas heurté à quelque chose, attentat ou n'importe, dans les métros, dans d'autres endroits. On ne sait pas. Alors, il y a une sorte de peur aussi qui s'installe au sein de nous-mêmes ici, en Occident.